sans transition, voici les titres de l'actualité. Les astronautes à bord du Chenzhou 12 sont entrés dans le module central de la station spatiale chinoise. Il s'agit du premier vol habité pour la Chine depuis près de 5 ans. 8 arrestations après une explosion au gaz ayant fait 25 morts à Xi'an dimanche. Les suspects sont accusés de négligence. Xu Yuncheng s'est éteint jeudi. À l'âge de 100 ans, ce traducteur chinois avait commencé sa carrière en 1938 à l'université de Kunming. Faire progresser la cause socialiste et les liens bilatéraux avec le Vietnam, voilà la promesse de Li Zhenxu, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale. L'ambassadeur de Chine en France, Lou Chaillé, justifie la défense de la Chine face à l'Occident. Selon lui, les attaques envers la Chine sont injustifiées. La Chine continue de se positionner comme un acteur majeur de la conquête spatiale. Jeudi, 3 astronautes chinois ont décollé vers la station spatiale chinoise. La fusée Longue Marche 2F a décollé du centre de lancement spatial de Tiouquan. Il s'agit du premier vol habité par la Chine depuis près de 5 ans. La Chine a propulsé avec succès 3 astronautes dans l'espace. À l'heure prévue, la fusée Longue Marche 2F a quitté à 9h22 son pas de tir du centre de lancement spatial de Jiuquan dans le désert de Gobi. Il s'agit du premier vol habité pour la Chine depuis près de 5 ans et d'un record de durée dans l'espace en perspective pour le géant asiatique. En effet, les 3 astronautes vont rester 3 mois en orbite. Militaires de formation, ils s'occuperont de la maintenance, de l'installation de matériel, des sorties dans l'espace et prépareront les séjours spatiaux des futurs équipages. Ils ont exprimé leur gratitude pour le soutien du pays et leur enthousiasme en entrant dans le module central de la première station spatiale du pays. Appelée Tiangong ou Palais Céleste, la station spatiale chinoise, une fois terminée, sera semblable en taille à l'ex-station soviétique Mir. Sa durée de vie sera d'au moins 10 ans. Et d'ailleurs, l'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a félicité jeudi la Chine pour le lancement réussi du vaisseau spatial habité Chenzhou 12. Dans un communiqué, il se dit impatient de voir quelles seront les futures découvertes spatiales de la Chine. Après l'explosion d'une conduite de gaz dans un quartier résidentiel qui a fait au moins 25 morts le week-end dernier, 8 personnes ont été arrêtées en Chine. Parmi eux figure le patron de la société qui gérait la conduite de gaz. Les 8 suspects sont accusés de négligence par les autorités. 8 personnes ont été arrêtées en Chine après une explosion au gaz dans un quartier résidentiel qui a fait au moins 25 morts le week-end dernier, ont annoncé vendredi les autorités locales. La déflagration s'est produite dimanche à Xi'an, une localité située à quelques 1200 km au sud-ouest de Beijing. Elle a détruit un immeuble de 2 étages et dévasté un marché très fréquenté où commerçants et habitants en prenaient leur petit déjeuner. Des vidéos réalisées par des témoins avaient montré plusieurs bâtiments en ruine. Environ 2000 secouristes avaient été mobilisés et 900 personnes évacuées d'immeubles environnants qui menaçaient de s'effondrer. Vendredi, la mairie de Xi'an avait annoncé la détention de 8 suspects pour négligence. Parmi eux figure le patron de la société qui gérait la conduite de gaz. La veille de l'explosion à Xi'an, 8 personnes avaient par ailleurs perdu la vie à la suite d'une fuite d'un produit toxique dans une usine chimique du sud-ouest de la Chine. Les accidents industriels sont relativement fréquents dans le pays en raison d'un mauvais respect des règles de sécurité et d'un certain laxisme des services censés veiller à leur bonne application. Il était l'un des traducteurs chinois les plus célèbres, Xu Yuncheng. S'est éteint jeudi matin à l'âge de 100 ans. Sa carrière avait commencé en 1938 à Kunming avant de rejoindre l'université de Beijing en 1983 en tant que professeur. Il laissera derrière lui de nombreux chefs-d'œuvre comme le classique des vers ou les entretiens de Confucius. Le traducteur chinois centenaire Xu Yuncheng est décédé jeudi matin. L'annonce a été faite par l'université de Beijing. Né en 1921, Xu Yuncheng a débuté sa carrière de traducteur littéraire en 1938 lorsqu'il s'est inscrit à un programme de langue étrangère à l'université nationale associée du sud-ouest à Kunming. Il a commencé à enseigner à l'université de Beijing en 1983 et y a enseigné jusqu'à sa retraite. Tout au long de sa vie, ce traducteur respecté a recherché la beauté de la langue et s'est engagé à tisser des liens littéraires
entre les sinophones, les anglophones et les francophones. En 2014, la Fédération internationale des traducteurs lui a décerné le prix Aurore Boréale de la meilleure traduction de littérature de fiction, la plus haute distinction de la profession. Il est également le premier traducteur asiatique à avoir reçu cet honneur depuis la création de la FIT en 1999. Sa poursuite de l'excellence a permis aux lecteurs anglophones et francophones de mieux comprendre la beauté de la littérature chinoise et la sagesse chinoise qui la sous-tend. Selon lui, une traduction doit être aussi belle, voire plus, que l'original. Considérant la traduction comme un art, il a encouragé l'innovation et la création, en forte opposition à un grand nombre d'intellectuels qui prônaient la traduction comme une science et produisaient un équivalent strict de l'original. De nombreuses œuvres de traduction de Shu Yongchong resteront dans l'histoire, telles que le classique des vers et les entretiens de Confucius. Cette semaine, la Chine s'est engagée à renforcer sa coopération sanitaire et politique avec le Vietnam. Un souhait exprimé par le biais de Li Chenxu, le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, souhaite également apaiser les tensions à propos de la mer de Chine méridionale. La Chine s'est engagée jeudi à renforcer de façon continue le soutien politique mutuel avec le Vietnam et à donner un nouvel élan à la cause socialiste des deux pays et à leurs liens bilatéraux dans la nouvelle ère. Li Zhengshu, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, a fait ses observations lors de son entretien par liaison vidéo avec Vuong Dinh Hue, président de l'Assemblée nationale du Vietnam, notant l'important consensus atteint cette année entre les dirigeants des deux pays et entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste vietnamien. Il a déclaré que la Chine était prête à travailler avec le Vietnam afin de forger une communauté de destin d'importance stratégique entre les deux pays. Alors que cette année marque le centenaire du Parti communiste chinois, Li Zhengshu a indiqué que la Chine était prête à tirer la sagesse de la splendide histoire des échanges amicaux et de la coopération entre les deux partis afin d'insuffler un nouvel élan à la cause socialiste des pays respectifs, ainsi qu'aux liens entre les deux nations et les deux partis dans la nouvelle ère. La Chine et le Vietnam, deux pays socialistes dirigés par des partis communistes, sont face à de multiples tâches communes, a-t-il déclaré. Il a également incité les deux parties à renforcer de façon continue le soutien politique mutuel, à améliorer la synergie entre l'initiative, la ceinture et la route et le plan de couloirs et un cercle économique, et veiller conjointement à ce que les travaux de prévention et de contrôle de la Covid-19 soient bien menés, ainsi qu'à gérer correctement les différends maritimes. Et pour terminer ce journal, restons dans le domaine de la politique internationale avec Lou Chaillé. L'ambassadeur de Chine en France, souvent qualifié de loup combattant, a tenu à répondre à ses détracteurs. Dans le magazine chinois Guangsha ou dans le quotidien français L'Opinion, il a défendu le comportement de la Chine, attaqué injustement selon lui. Des propos déjà tenus la semaine dernière au micro de Mandarin TV et recueillis par Sylvie Chen et Michael Tixador. Je pense que les diplomates chinois ont une vocation de défendre notre patrie quand elle est attaquée par certaines forces avec des dénigrements, des diffamations. Surtout depuis le début de l'éclatement de la pandémie de Covid-19, on peut constater que des forces occidentales, y compris des médias occidentaux, ont lancé des attaques farouches contre la Chine, avec, bien sûr, pas des faits, des réalités, des vérités, mais des mensonges, des rumeurs. Et dans ce cas-là, les diplomates chinois s'élèvent pour faire la riposte, ouais, non seulement en France, mais dans d'autres pays occidentaux. Pour nous, c'est très normal. Il n'y a pas de problème, parce que pour les diplomates de tous les pays, ils ont vocation de défendre les intérêts, l'image, la dignité de leur pays. Mais ce qui est étrange, c'est que
quand les diplomates chinois le font, donc pour certaines personnes occidentales, ce n'est pas permis. Hein? Ils collent telle ou telle étiquette sur les diplomates chinois. Les loups guerriers, les loups combattants comme ça, ou bien une diplomatie offensive, agressive. C'est pas juste, c'est pas juste. Même si les mots loup guerrier, pour nous, c'est peut-être pas quoi un mot péjoratif, parce que vous connaissez bien en Chine, c'est le nom d'un film, n'est-ce pas? C'est, comment dire, c'est une image positive. On peut considérer que les diplomates chinois sont des soldats, n'est-ce pas? Mais ce sont des soldats qui défendent la patrie, qui défendent contre les attaques de l'ennemi, qui érigent un rempart devant la patrie. Et je veux dire qu'on est fier d'être un soldat, d'être un loup combattant, parce qu'il y a trop d'hyènes folles. Oui. Il y a les attaques de l'hyène folle. Donc, il faut avoir des loups combattants pour les riposter. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous sur Mandarin TV.